On va passer à la technologie. C'est une de nos rubriques favorites. C'est lundi, vous savez, Luc Saint-Élie s'installe. Il a été fait un petit tour du côté du salon de la musique, Luc Saint-Élie. Et il en est revenu avec l'idée d'abord qu'il fallait immédiatement qu'il s'y mette et ensuite que les instruments virtuels, c'était absolument formidable. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je suis allé avec ma caméra au salon de la musique qui se tient porte de Versailles jusqu'à demain soir. C'est un salon qui est assez mal nommé parce que la musique, c'est un terme générique. En fait, c'est le salon de l'instrument et du musicien. Oui, ce qui est quand même une précision pas tout à fait anodine. C'est un espèce de Capharnaüm bruyant, extrêmement attachant. Et normalement, le salon de la musique, ça devrait ressembler à ça. Oui. Vous voyez, on n'entend rien là. Et on n'entend rien, on devrait ne rien entendre, parce que l'outil, on peut dire l'accessoire, qui est vraiment standard, on ne voit que ça, c'en est une marée là-bas, c'est le casque. Tous les gens sont raccordés à des consoles qui leur jouent des musiques de fou. Alors, dans la vraie vie, en fait, du bruit, il y en a, et il y en a même plutôt beaucoup, parce qu'à côté de tous ces instruments synthétiques, il y a quand même une présence assez forte des traditionnels du rock, avec tous les poncifs du genre. Là, j'en ai croisé un, vous voyez. Mais attendez, vous avez vu quand même le concert, c'est extraordinaire. Absolument, oui, tout à fait, des concerts avec des gens, voilà, tout à fait. Alors, génial quand on a une cave qui fait du jazz, il m'a amusé, c'est la caricature. Ceci étant dit, même les instruments traditionnels du rock se mettent à l'heure de la techno et d'Internet, comme c'est le cas avec, par exemple, cette guitare Bluetooth, absolument, qui a été inventée par un gars qui faisait de la radio, qui en avait marre de se prendre les pieds dans les fils, qui va nous raconter comment ça marche. Connecté sur Internet par un système de transmission du son Bluetooth. Et vous pouvez jouer en ligne avec vos amis à l'autre bout du monde en temps réel. C'est un artisan, mais les grands industriels de la musique, eux aussi, sont mis à l'heure d'Internet. Le clavier que l'on voit, regardez, que les spectateurs écoutent, là encore, religieusement, avec le casque visé sur la tête, ça c'est fascinant, fonctionne également connecté à Internet. Le clavier high-tech par excellence, on peut charger des nouveaux sons, et on peut aller les chercher directement et bien sur Internet, puisque l'instrument peut se connecter sur Internet sans passer par un ordinateur. Beatles auraient fait la même musique que les Rolling Stones. Absolument, et quand on parle de dématérialisation, même les instruments très traditionnels, là ce qu'on voit c'est une guitare classique, c'est le concerto d'Aranjuez, etc. Il n'en reste pas beaucoup, elle est très loin d'être totalement virtuelle. On connaissait Didier Lockwood qui jouait longtemps sur un violon comme ça. Même maintenant, des instruments qui sont des instruments extrêmement traditionnels sont touchés par ça. Alors là, il y en a également un petit peu partout. Le gros succès au niveau des mômes, parce que c'est un salon qui est génial pour les gamins, c'est les batteries. Ah. Qui ont fait des gros progrès. Toujours avec aux parents et aux voisins. Bah, c'est très bien. Alors ça, il y en a un petit peu dans tous les coins. Ça fait de mal à personne. Et surtout maintenant, les sonorités. Aux oreilles. Justement, ce qui vous explique le monsieur dit tout à l'heure. Et comme dans tout bon salon qui se respecte, alors il y a les inventeurs fous. Ça, c'est un acoustiglou. C'est un acoustiglou. On rentre par là. Les auditeurs sont placés allongés sur le sol et la tête au centre afin d'être entièrement plongés dans le son. Permet d'écouter de la musique couchée par terre dans le noir pour bien se rendre compte de ce que ça donne. Et toujours dans le style inventeur fou, j'ai croisé ces gens qui sont d'un centre de recherche musicale et qui ont fait un appareil qui se pilote avec des joysticks. Ça permet aux gamins de se sentir même plus familiers. Ensemble, par groupe de 8 à 1024, on espère un jour. Les bruits sont en tout cas, dire, orchestre, un peu. Le côté mélodique. Ben ça viendra. Oui. Alors, en gros, on comprend que pour mettre des gamins à un instrument de musique, il faut passer par le joystick, quoi. Bah, disons que c'est un peu terrifiant, tout cet attirail. Non, pas forcément. Tout cet attirail technologique a un gros mérite, c'est qu'il est très décomplexant. Oui. Puisque vous jouez pour vous d'abord, et pas on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants dans votre famille qui jouaient du violon, par exemple. C'est affreux, moi, ce n'est pas les enfants, c'est les voisins. Il faut arrêter, monsieur. Bon, monsieur, il faut arrêter. Je vous quitte. Mais c'est très gentil à vous d'être passé nous voir en tout cas. Et la semaine prochaine, je vous raconterai pourquoi vos plans de Noël sont ruinés si vous avez des enfants. Mais là, okay. C'est encore secret. À lundi. À lundi. Merci Luc. On marque une petite pause. La météo de Tania dans 2 minutes.